Je les entends chuchoter. Au début, les chuchotements étaient très brefs et peu sonores. Je les entendais de temps en temps, en m'endormant. Mais plus ça va, plus il y en a, et plus ils sont forts. J'ai fini par les entendre quand je lisais, quand je regardais la télé, quand j'étais sur mon PC. Même avec un casque, j'ai fini par les entendre. Une nuit, je me suis fait réveiller par un chuchotement, mais il ne provenait pas des murs comme d'habitude. Il venait de sur mon torse, et il progressait rapidement vers mon visage. Heureusement, il est reparti vers le mur lorsque j'ai bondi de mon lit cette nuit-là. Mais depuis, je suis obligé de bouger régulièrement, car ils essaient tout le temps de grimper sur moi. Ils doivent sûrement essayer de murmurer au plus près de mon oreille. Je sais pas ce qu'ils veulent de plus. Ils chuchotent trop fort et viennent sur moi. C'est tout ce qu'ils font. Je ne dors plus maintenant. Ils chuchotent trop fort. Beaucoup trop fort. Leurs cris silencieux me déchirent le crâne. Et plus rien ne marche. Ni les bouchons d'oreilles, ni les médicaments. Rien ne les fait se taire. Ils me suivent dehors aussi. Dans la rue, au travail, chez des amis. Mais personne ne les entend. Je crois pas qu'ils les voient non plus. Car depuis peu, j'arrive à les voir. Et ils me répugnent. Certains sont encore petits. Et ont à peine la longueur d'une phalange. Alors que d'autres font la taille de mon avant-bras. Peu importe les dimensions. Ces choses m'horripilent. Et ressemblent à des monstres miniatures. Tout droit sortis d'un esprit dérangé. Leur aspect perturbant n'est pas que dans leur apparence. Il est aussi dans leur manière de se mouvoir, avec leurs milliers de petites pattes, toutes synchronisées, formant des petites vagues. Ajoutez parfois même à cela quelques mandibules, bougeant de droite à gauche pour se représenter l'espace. Et ils murmurent des choses, encore et encore, sans répit. Est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce qu'ils discutent de leur journée? J'en ai aucune idée. Je les entends juste chuchoter des mots abstraits. J'ai essayé de les faire sortir, par tous les moyens. J'ai appelé des spécialistes qui auraient pu se débarrasser d'eux, mais rien n'a marché. Et pour se venger, ils ramènent encore plus d'entre eux pour chuchoter encore plus. Je me souviens de cette femme qui était venue me voir. Elle avait l'air dérangée. Elle m'avait dit que l'appartement dans lequel je m'apprêtais à emménager était maudit, et que je finirais fou. Je ne la croyais pas. Pourtant, j'avais déjà entendu quelques chuchotements. Et maintenant, je les entends chuchoter, encore et toujours. Ils remplissent ma tête. Hier, en déplaçant une armoire, j'ai découvert un tas de ces choses qui produisaient un boucan infernal. Je ne savais pas combien de temps je pourrais encore tenir. J'ai trouvé un clou en rentrant aujourd'hui, et j'ai pensé qu'en l'utilisant bien, cela pourrait être ma solution. Je pourrais arrêter de voir, et surtout d'entendre si je l'utilisais bien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi faut-il que l'image de ces choses me vienne toujours en tête ? Et que leur chuchotement continue d'y résonner, alors que mon sang ruisselle le long de mon cou.